sommes ici au niveau de la plateforme logistique des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, plateforme mise en place depuis le début de l'épidémie Covid-19, de manière à centraliser l'ensemble des matériels de protection individuelle acquis en particulier par le département des Bouches-du-Rhône, la métropole et la zone de défense et de sécurité sud. L'enjeu de cette plateforme, c'est de permettre la réception à toute heure du jour et de la nuit, le reconditionnement, comme on le voit derrière moi, en lots de tailles différentes pour pouvoir distribuer à l'ensemble des personnes qui en ont besoin, des donneurs d'ordre, des collectivités, de manière à ce qu'au plus près du terrain, les travailleurs sociaux, les EHPAD, les sapeurs-pompiers bien entendu, disposent des équipements nécessaires afin de lutter et de faire face. Pérol, Fortchaloui, Mimé, Beaurecueil, Fuveau, Le Colonnet, Saint-Marge-le-Garde, Léreuil, Vauvenargues. Donc chaque jour, cette plateforme logistique du Covid-19 des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône est servie, est armée par des agents administratifs et techniques que l'on récupère dans les services qui sont actuellement au ralenti, ainsi que des sapeurs-pompiers, de manière à assurer d'une part la cellule administrative qui convient de faire fonctionner pour suivre les stocks, pour délivrer les documents de livraison, de réception, mais aussi l'ensemble des tâches logistiques qui incombent à une plateforme de ce type, à savoir la manipulation de palettes, le reconditionnement et la délivrance aux collectivités et aux personnes qui nous en font la demande. Vous allez voir un collègue, si vous voulez, on va vous faire émarguer ici comme vous voulez. Vous avez mangé puisque votre nom est déjà posé. Et voilà. Alors, celle-là, Saint-Estève, et le puits. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais vous demander comment on Merci. Au revoir.